Mbukao. YMB. Honda Bay, DJ 7. Minava kusabwa. Asema mungo humbaka bushiku juu mundo pumushike mebushiku abukawe. Nikula muka na mambo kuzarike vizuri na mibaya. Baba goto tendako. Maisha yangu semako. Nivumbule na mie munenako. Nachoka na mateso unyoneko. Baba goto tendako. Maisha yangu semako. Nivumbule na mie munenako. Nachoka na mateso unyoneko. Just a shop. Filet de spectateurs, nous voici sur ce plateau. D'où les stars se poursuit. Permettez-moi, avant de poursuivre, avant de continuer, permettez-moi d'abord de dire, de souhaiter la bienvenue à mon invité. Ici, il se nomme YMB. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mugoba Trésor, Makolo. Comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va, tout va bien. Tout va bien, hein? Ouais, tout va bien. Voilà, tout va bien, l'artiste musicien l'a affirmé. Permettez-moi ici de faire un petit coucou à Emmanuel Faroumb Nakadastre, Tonton Wins, Mobali Afalon Wins. Hein, papa na triple M, Marcia Mbumba. Je fais un petit coucou ici à mon ami Yannick Mbangu, Zoumambayo, Ibrahim Mofia, le topographe. Pourquoi pas, hein, Arpenteur Revampingo, le poids lourd, Bamze Gino, le dessinateur que je fais également. Hein, je te salue. Landry, mon ami Landry Nakadastre, je te salue également. Donc tout mon staff. Staff Nangana Kadastre, Freddy Mbavu, Junior Mukandila. Donc je vous salue et ça la plaisir. Wambi. Mkuba. Toi, c'est tout bien, hein? Toi, c'est Tchini-Tchini, hein? Ça pourrait même Mkuba l'éther. Unyanyuliwe, une chanson qui a fait parler de toi. Ouais. Il faudra dire que la majeure partie des téléspectateurs ou des mélomanes de la province du Lualaba t'ont découvert à travers ce titre. Une inspiration, composition signée Wemby? Ouais, effectivement. Tu l'as écrite seul? Ou bien Wemby est de ceux qui ne se gênent pas pour acheter les chansons? Non, déjà, on a réussi ces dons-là, hein, de gratter des chansons. C'est, ça vient comme ça, l'inspiration vient comme si il en pleuvait. Donc, on peut dormir et se réveiller comme ça le matin, on a déjà une chanson. Donc, c'est inutile. Bon, peut-être il y aura un jour de temps où un peut prendre des chansons de, écrites par une autre personne, mais quand même jusque là, je dis merci à Dieu de me donner encore l'inspiration. L'inspiration est encore dans la tête, c'est ce que je peux dire. Ah, ok. Deuxième titre qui est venu juste après, Bushiku, qu'on a suivi en intro avant de te recevoir, qui fait parler de toi. On sent que l'artiste est plus, comme qui dirait, parce qu'après Bushiku, il y a un autre titre qui est venu, hein, Sema. Sema. Ouais. On sent que tu es trop biblique, c'est ça? Ou tu es trop chrétien, si je peux dire, dans tes écrits? Effectivement, je veux bien expliquer cela. Ouais. Donc, je veux bien l'expliciter. Donc, YMB n'est pas penché seulement aux chrétiens, du côté de chrétiens. Tout comme je ne suis pas penché seulement de profane, comme on le dit. Ouais. Donc, moi, je suis juste un musicien. Okay. Donc, il y a la chanson Gabi qui est sortie dernièrement. Si vous essayez un peu de comparer l'inspiration par rapport à Sema, Bushiku, Nyanyuliwe et la chanson Gabi qui est sortie dernièrement. Donc vous allez comprendre qu'il y a juste l'inspiration qui vient. Bien l'inspiration, le Takuya, c'est la chanson que je vais sortir. Donc Bishpenda qui est étouffé, ça n'a qui tu vois. Okay. Donc quand j'ai l'inspiration, donc j'ai sorti la mimie intérieurement que non, avec cette chanson, ça peut faire, ça peut contribuer aussi au succès que j'ai. Donc c'est ça avec moi. Donc il y a un ville. D'où est venu, il y avait quand même beaucoup de choses à faire dans la vie. On pouvait continuer ses études, devenir ingénieur, devenir manager. Mais Wemby a choisi de faire la musique. Parce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui faisait également la musique. Parce que
il s'est laissé emporter par ce style, ou bien comme c'est un don. J'explique. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est ce que je peux dire. Donc j'ai commencé depuis très longtemps à chanter. J'ai commencé d'abord dans l'église jusqu'à ce que Tu peux nous faire dans l'église tu faisais quoi là? Donc tu chantais comme quoi? J'étais à la chorale. Non mais fais-nous un extrait. Bon, il y a une chanson que j'aime jusqu'alors. Par le ciel devant toi, splendeur et majesté, par l'infini maman, l'infini. Donc, voyez-moi, j'étais à la chorale, j'étais aussi un soliste à la chorale. Donc, c'est depuis très longtemps que j'ai commencé avec la musique. Et après, quand je suis entré à l'école, à l'humanité, c'est par là que je me suis dit. Que je devrais m'y lancer officiellement devant tout le monde. J'ai commencé. Là, aux humanités, tu chantais avec des amis ou seulement seul? À l'humanité, j'avais croisé beaucoup de gens. Pas mal le cas de. Il y a même nos aînés que j'ai croisés à l'humanité qui venaient à l'école là où j'étudiais, peut-être faire chanter. Ils m'ont trouvé, j'ai chanté aussi. S'il y a ceux qui peuvent au moins être reconnaissants, je voyais. Non, mais. Il y avait Mamouni qui venait, il y avait. Mazopo qui venait à l'Épiphanie, il y a TNS qui est venu à l'Épiphanie. Déjà à ce temps, j'ai chanté déjà à l'école. Mais j'avais pas de clip, pas de plaquage au studio, mais quand même, je savais comment me défendre par rapport aux fans, en face de fans, donc je savais comment me défendre. Alors, on va prendre l'actualité ici qui domine ta personne. Cette actualité, ce qu'il y a un bout de temps, des questions sont venues de partout. Non, mais il y a tes fans à qui on a dit votre artiste Wemby et Aloula Majimou, il est devenu un peu fou et tout et tout. C'est le cas? Bon. Ou bien ce sont juste des rumeurs? Bon, pour dire vrai, pour être clair, moi, Michel Chiquier et les Mambou, pour être clair, Michel Chiquier et les Mambou, il y avait un temps que je suis passé dans une émission où on m'avait fait comprendre et j'ai aussi compris que non. C'était après la chanson Sema, où j'avais dit, c'était ça même le titre, Sema. Donc, j'ai laissé le temps aux fans de s'exprimer, vous voyez. Donc, qui a montré ça pour Sema? Donc, comprenez déjà que non, la chanson a parlé et les gens aussi ont parlé. Ah, c'est alors que les gens ont dit que l'artiste Wemby a le goût de Majimou. Ouais, ils voulaient bien dire que non, Mwimbo c'est ma joie, la bafa Majimou, mais pour Shikia, pour Ban, tout le monde est là. Shikia, il va interpréter. Seigneur Jésus. Donc c'était un peu ça. Pour Shikia, pour Ban, tout. Vile machikia balibambia ke no sema isha kutufanya majimu mwimbo aseme na tufanya majimu bo balenda ku interpréter que no Wemby alakuwa majimu ba comprenez seulement que non la chanson a parlé tel que je le dis que non la chanson va parler et je comprends jusque j'ai continué à comprendre que non la chanson aussi continue à parler. T'es passé au festival Mikuba, une première expérience dans ta carrière, et juste après le boom hip hop. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as ressenti au fait? Au festival Mukuba. Et puis, te retrouver devant un public de ce genre, parce que c'est en sérieux, depuis que tu as commencé ta carrière. Au festival Mukuba, je suis clair, c'était ma première fois d'affronter une foule qui était là-bas à la poste. C'était ma première fois. Malgré que tu as fait la magie sur le podium. Il n'y avait rien de magie. Il n'y avait rien de magie sur le podium. C'est juste que j'ai laissé parler mon intérieur, vous voyez. Je me suis lancé directement. Si il y a des gens qui étaient là-bas présents, donc j'affichais déjà l'apparence que non, j'étais sans froid aux yeux. J'ai affronté ces publics jusqu'à ce que j'avais quitté ces publics. Minacha public n'a pas podium. Mais ça m'a beaucoup étonné à Lubumbashi quand j'étais parti pour le festival Lubumbashi Pop. C'était aussi mes moments.
Donc arrivé là-bas, j'ai jamais fait la promotion à Lubumbashi. C'était donc publiquement à 5000 de me rencontrer. À Colombie quand même j'avais compris. Mais à Lubumbashi, c'est ce qui m'avait étonné. J'étais une fois monté sur le podium déjà, j'ai senti que non, on fout la bantou, mon quoi chaleur, bantou va se répondre. Et puis, dans le mouvement, ça m'avait beaucoup étonné. Donc, j'avais compris que non, ce qui est de moi, il faut que je protège bien. Je ne sais pas si tu es là, 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 Minangari en attend, il tourne à traverser, c'est un peu compliqué. Je lançais un audio que j'ai lancé il y a pas longtemps et quand même je suis encore, j'ai pas encore fini avec le tournage, je continue avec le tournage. Peut-être la semaine prochaine je vais lancer un clip. Il y a un moment ça c'est à quoi surprise, il est bon, tu vas t'apprécier ça. Comme on a toujours fait, un bloc ou famille un bloc ou t'es chaque jour déjà. Pardon? Famille quoi? Famille un peu au cas où. Je suis habitué à bien, papa. Non, mais moi, tu sais, ma robine, tu n'as jamais tout le comme ça, tu vas me comprendre. C'est trop simple. Famille, donc, Michel, ou chat juste, quoi, ça, ça, mine et pélène, joie. M-B-O-K-O. Qui signifie? Mboko. Ah. Ouais, donc, John Chine, vous n'y a pas de tombe, il va me pacher à Kounumba. Ok. Donc, la famille un peu au cas où, bah, au cas où, beauté. Donc, il y a des gens qui ont fait ça, mon musique, nini. Ah, mon chiki a tout bien réchitué, bien, ça s'est bien réchitué, mon bien. Je vais les familles qui ont déjà en passant. Donc, ils vont apprécier déjà le titre que je vais lancer la semaine prochaine. À part ça, il y a encore d'autres titres. Il est Itafata, tout le coup, il y a Mingi. Oui, Mingi, Itafata. Tu as un numéro de téléphone que tu peux donner à tes fans? Oui, il est bloqué. Non, le numéro c'est toujours le même. Le numéro n'est pas caillé les mois. C'est les 099 044 14 57. 099 044 14 57. C'est un peu ça le numéro. Ton idole c'est qui? Ou bien tu n'en as pas? Idole ou Akole Muntu, il est sur la zone Mushikia qui t'a permis également de t'ouvrir dans le monde musical. Bon, mes idoles ou Anguni, Akole Muntu, tu en as Ouizaka. Donc, l'idole ou Anguni, je n'ai pas Ouiza ça. Pas une personne en particulier? Non. Sur Colosi, tu peux vous où les thèses que vous faites rien là. Bon, on est mené sous Fatiria, beaucoup à 4. Qui est qui? Il y a DJ Seven, il y a Hermès Mukuna, il y a Scalp Bond, il y a Trésor Makolo. Jobale. Ah Bengine. Bale Jobale. Ah, je vais permettre de faire un geste. Bon, beaucoup tout bas mine. Vous parlez à 4 000 en gagne, vous voulez ça, ça va pas n'est pas capable. Quand vous pouvez être un geste, mais les autres. Mais là, alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Ouais. Donc, ce que les téléspectateurs doivent retenir, Wemby se porte bien. Mamboule Balsimare Lukula Majimouni Biabongo. Ok. Jusque-là, il y a trois clips. Jovile. Trois clips. Un audio qui vient d'être lancé. Ouais. Ils peuvent l'avoir comment? Comme Abnafia Baïchiki. Ou bien Bapiteko Studio, ou bien Bafadji. L'audio déjà est sur YouTube. Ta chaîne YouTube? Ouais, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Déjà, pour te parler, il y a un peu Mimbo qui tape juste YMB, Gabi, c'est ça le titre. YMB, tu écris ça comment? YMB. Donc, c'est juste les diminutifs de Yves Mboko. Donc, Y, c'est M-B. YMB. Donc, YMB, je voulais un Nanjika. Et puis, le titre, c'est Gabi. Gabi. Quand on a dit qu'à ville, déjà, tu n'as pas ta mouimbo. Ou tu n'as pas ta mouimbo, facilement. Facilement. Ah, ok. Tu as un rival, mon musique? Ou les kama ou naïmbo, n'angarasse maïe, naïe, kama naïmba. Ou you, il faut une tumi qui était dans ça, non, j'ai un pite. Ah, rival ou angon, ou le otan ni pitaka. Toi, tu n'en connais pas. Bon. Ou le naïe, tout, si tu es à la maison, même si on a fait ta mouimbo, on a fait ma bon. Quand même, il faut toucher à y, ni toucher à y. Ah,
Je suis censé travailler encore beaucoup plus. Oula là-bas, toi tu peux te classer mon niveau quand? Ah, pas les mitats, tu vas faire un bon classé. Même les mitats, tu es classé. Bon, tu as 10 artistes selon toi, mon là-bas, balé ban, tu m'as bien. Bon, Twende. Loi là-bas, ni province, moi, écoute. Twende, on y va. Un, j'ai dit le loi là-bas, j'ai pas parlé seulement de Colosie. Twende, un. Loi là-bas. Bon, t'es tout. J'ai besoin de 10 personnes. Stanishakwisha papa, s'il te plaît, fais plaisir à tes fans, très rapidement. D'accord, j'ai fait plaisir à mes fans en disant que non, beauté mon là-bas. On a besoin que de 10 personnes, 10 noms. 10. Il y a Trésor Makolo. Je ne suis pas musicien. Il y a Achavine. Il n'est pas musicien. S'il te plaît, sois sérieux. Sois sérieux. Beauté. Soyons sérieux. Déjà, beauté, mais. Soyons sérieux. Abana ba musicien. Cite les musiciens. Non, je demande juste que vous me permettez de vous dire que non. Mm-hmm. Ça, c'est une Mokolozi, 5 personnes. Mokolozi, 5 personnes. Bon, ou bien Mokolozi, selon où il y a bien battu ce qu'on va gagner. Beauté là pour Mokolozi. Beauté Banimbaka bien. Jumi n'a pas la musique Yota Mokolozi. Il est musique Jota. Il est retour comme ça, ou bien il est retour comme ça. Bon, musique Yokokotu Yota Nfaka bien. Il y a musique Yakla Dourache Nfaka bien. Il y a Marakoudje Nfaka bien. Il y a DJ Seven Nfaka bien. Il y a JLM Nfaka bien. Il y a Beauté Tout Nfaka bien. On va s'arrêter là, fidèles téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Un dernier message en 10 secondes. Je demande à mes fans de rester toujours branchés chez la famille Ambe au chaos. Donc, ils ne seront pas déçus. Je profite aussi pour saluer Hermès Mukuna, le pape. Lui, c'est mon producteur. J'oublie pas Bastos 121. Albaziv, mon habilleur. Hein? Donc, Yafredi Mbavu. J'oublie jamais. Kubote wale benendra soutenir musique, je les oublie pas. Hein? Kabadeo, Beko Bamim Disana, Ya Trésor Makolo, Patrick Topwan, le Mufumu. Donc, Bote na balamukia. Ya Serge Kafouti, l'imprévisible, Félix Kaluiba, je vous salue. Bon dimanche chez vous. Fidèles téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous présenter cette émission. Comprenez qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de vous présenter Chirac Mukandjila. Il sera là le week-end prochain, donc comprendre. Triple A Sozong Mak Makolo a été accompagné aujourd'hui d'Archavine Mukadi et également d'Hilaire Media pour vous présenter cette émission qui a été supervisée par le CTNGOV. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye.